T'es absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma porte, elle est où, cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'en prouver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, mais mon droit, tu sais. Tu sais où? Ouais. Allumez télé. Cara. Oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain.
Tu n'as pas école aujourd'hui? Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer? Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Tom. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Tom. Alice, arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Thank you.
Et maintenant, le sport. Tout d'abord, un peu de basket. Tandis que les Gears se préparent pour leur match décisif contre Denver à la CyberLife Arena de Détroit, les négociations sont toujours en cours avec la Ligue pour tenter d'obtenir le droit d'inclure un androïde par équipe. Le débat fait rage entre ceux qui revendiquent des matchs plus excitants et ceux qui y voient un premier pas vers l'obsolescence des joueurs humains. CyberLife a fait part de sa volonté de participer à l'expérience en fournissant un modèle spécialisé à toutes les équipes. Comme vous le savez, les androïdes peuvent entraîner les joueurs et fournir des conseils tactiques depuis 2035. Mais aucun joueur androïde n'a été autorisé dans la compétition jusqu'à maintenant. Les chiffres du ministère du Travail, 225 000 emplois ont été supprimés au mois d'octobre. Le taux de chômage au niveau national s'élève désormais à 37,3%. Présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine CyberLife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'État a salué le rôle de CyberLife dans les performances de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. Bouge-toi de là. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? Tu aimes lire, on dirait. Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ta maman, par exemple, elle rentre bientôt ?
Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime.